Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo. Nous avons entendu un bruit comme un aspirateur, c'est mon ordinateur, hein, voilà. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour le remplissage du mois de janvier, donc le premier mois de l'année, voilà. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi ça a été, à part que j'étais malade hier. Aujourd'hui on est le 1er janvier, voilà. Mais aujourd'hui ça va un peu mieux, mais coussi coussa. Merci la dose du Covid, voilà. Donc j'ai pas le Covid, hein, mais j'ai fait le vaccin. La troisième dose, c'était obligatoire, mais bon, voilà, j'ai fait une réaction allergique. Génial. Donc bref, on s'en fiche, on va aujourd'hui remplir les enveloppes. Donc on va déjà remplir le budget. Donc les enveloppes pour la semaine, tout ça. Alors avant tout, il faut que je vous dise un truc, j'ai fait une bêtise. Alors hier soir, j'ai mis de l'essence, j'ai mis 60 euros d'essence, donc sur mon budget de 120 euros. Normalement, j'étais censée retirer que bah, 60. Sauf que j'ai retiré les 120 euros quand même, et sauf que je m'en suis rendu compte chez moi. Parce que j'ai fait un petit papier avec le nombre de billets de, bah de 20 et de 10, parce que j'avais pas besoin de 50 ou quoi. Voilà. Et du coup, bah, je me suis dit que je vais quand même les mettre dans mon classeur cette semaine. Et si jamais à la fin du mois j'ai un trou de 60 euros, hein, du coup, ouais. Si jamais j'ai un trou de 60 euros, je remettrai à partir bah, des économies. Et aussi, je vais refaire comme je faisais avant, c'est-à-dire mettre toutes les économies dans la fin du classeur là. À part si je mets dans les défis, voilà, mais ça c'est pas pareil. Bah parce que tout simplement, sinon après je sais plus combien j'ai économisé au mois. Ou soit je fais ça, soit sinon il faut que je me fasse un planeur. Mais est-ce que je vais le tenir? C'est ça la question. Voilà. Donc on va voir comment je vais faire. Mais bref, on va commencer par remplir l'alimentation déjà. Donc 80 euros, donc tout simplement 20 euros par semaine. Donc. 80, donc ça va peut-être vous paraître peu, mais j'ai encore des trucs dans les placards. Je mange souvent chez mes parents et en plus je suis tout seul, donc bah, j'ai pas besoin de énormément non plus. Voilà, hop, ça part là. Oh. Et pour une fois, j'ai pensé à effacer tout ça. Donc je vais décaler un peu parce que sinon ça va être hors champ. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris peut-être. Ça se trouve, vous n'avez pas du tout compris, mais c'est pas grave. Et du coup, on est le 0101. Voilà, ça me fait rire. À la fin du mois, j'ai 22 ans, les gars. Hein? Je suis un bébé, mais en même temps, je me sens vieux quand même. Voilà. Mais en même temps, je suis jeune. Voilà. J'aime bien vous raconter ma vie, mais vous pouvez me le dire hein, si ça vous embête. Hop. 60. J'ai marqué 0. Voilà. Donc là, je vais mettre direct dans le filofax. Dans le filofax, il n'y a pas de tracker. J'en ai parfait, tout simplement, parce que de toute façon, je ne les tiens pas à jour. Donc ça sert à rien. Voilà. Hop. Donc j'ai pas mis dans loisir ce mois-ci, ni dans resto, tout ça. Parce qu'honnêtement, c'est mon projet secret qui arrive bientôt. Là. Dans 10 jours, 9 jours, et honnêtement, j'ai pas envie de dépenser des sous dans des trucs futiles. Donc, ce mois-ci, je dis, je mets pas dans le loisir tout ça. On verra le mois prochain. J'avais plus envie de mettre en épargne. Donc, animaux, 20 euros. Faut que je rachète un peu de tout. Donc, je vais mettre que 10 euros cette semaine et on verra ce qui manque. Tout simplement. Donc, hop. Qui reste 10 euros. Allez, elle est là. Voilà. Et donc dans essence, donc c'est 30 euros par semaine. 1, 2, 3 et 4. Qui est censé me rester 60 euros. Ouais.
Et aussi, je vais remplir avec vous mon fonds d'urgence, du coup. Parce que j'ai mis 100 euros. Donc, on est à 600 euros. Donc, plutôt cool. Et d'ailleurs, je suis en train de penser qu'il faut que je remplisse l'autre tracker avec vous. Donc, on va le faire juste après. Hop, allez, j'arrive pas à ouvrir des enveloppes aujourd'hui. Hein. C'est le matin, c'est peut-être pour ça. Hop. Les billets sont tous neufs, là. Ça fait bizarre. Donc, hop. Et je me posais une question aussi. Est-ce que vous aimeriez bien que je vous fasse un bilan des 1 an quand on sera au mois de mars? Ou pas? Donc, peut-être plus en juin, parce que c'est en juin la première fois, je crois que j'ai vraiment rempli les enveloppes. Mais dites-moi ouais, si ça vous intéresserait ou pas. Fasse un bilan des 1 an, que ce soit sur l'épargne, tout ça. Voilà. Donc là, c'est tout. J'espère que j'aurai plein de billets de 10, de 5. Ce serait cool. Voilà. Donc là, c'est tout pour celui-là. On va le mettre là. Voilà. Hop. Donc dans essence. Et du coup, je vais peut-être enlever les autres enveloppes, je sais pas. Parce que ça ferme mal avec les enveloppes zip, le filofax. Mais en même temps, j'ai peur de les perdre si je les enlève parce que je ne suis pas très douée par moment. Et du coup, parfois, je perds des choses alors qu'ils sont juste dans ma chambre. Mais puisque je mets souvent le bazar, bah, voilà. Parce que j'ai restaurant, manga et dessin et divers. Voilà, voilà. Donc, c'est tous Angeline qui me les a fait. Donc, je les ai achetés, bien sûr. Mais... Voilà, vous voyez, ça bloque un peu. Et du coup, j'ai peur que ça casse la fermeture. Je sais que, par exemple, Budget Chris, elle a coupé les bouts, elle a fait d'autres trous, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, du coup, bah, je vais pas le faire. Voilà, logique. Donc, du coup, là, on va remplir l'épargne. Donc, déjà, je suis en train de me dire que j'ai oublié de couper mes billets de... Hop. Mes autres billets factices, je les ai imprimés, mais je les ai pas coupés. C'est pas grave, on va faire autrement. Et je changerai pour mon prochain. En plus, je crois que j'ai imprimé les billets de 500. Donc comme ça, je mettrai un billet de 500, ça ira plus vite. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer un message sur ma boutique Etsy avec votre mail. Si vous voulez que je vous envoie les billets factices par mail. Voilà. Hop. Donc 600 euros. On commence bien l'année, moi, je trouve. Hop. Je vais vous mettre en pause 2 secondes. Tant de prendre mon tracker pour le fonds d'urgence. Parce que je l'ai oublié. Donc le voilà. Donc il se remplit. Et j'ai oublié mon feutre bleu. Oh, ça, c'est pas grave, il est pas loin. Donc là, en priorité, je vais faire mon fonds d'urgence. Donc c'est là que je mets plus. Là, j'ai mis 100 euros. Donc après, je pourrais peut-être pas mettre 100 euros tous les mois. Hein. Mais ce serait cool que je puisse parce que clairement, comme ça, ce sera rempli rapidement. Voilà. Mais on verra bien. Donc fonds d'urgence, c'est bon. Ensuite, ici, il y a santé et voiture. Voilà. Donc santé, on va mettre 10 euros, j'ai dit, pour commencer. J'ai oublié de faire des trackers pour la santé, je vais le faire plus tard, voilà. Mais je vais commencer à remplir mes enveloppes. De toute façon, vous savez lesquelles sont mes priorités, entre guillemets, comparé à... J'ai fait une vidéo objectif 2022. Et donc, dans voiture, on va mettre 20 euros. Pareil, j'ai oublié de faire un tracker. Je vais les faire juste après. Hop. Voilà. Il y a un poil de chat là-dedans. C'est pas grave. Hop. Et donc, oui, je vous ai pas dit, pour l'enveloppe animaux, si j'utilise pas tout, le reste, ça ira dans vétérinaire. Donc, sauf si c'est des pièces, parce que j'ai pas envie de m'embêter avec des pièces dans l'épargne. Mais, enfin, dans l'épargne, je me comprends. Dans l'épargne qui sont dans les enveloppes.
Hormis les défis, bien sûr. Mais voilà. Et donc là, il me reste 30 euros. Donc j'ai dit, c'était dans quoi ça? Oui, c'est bon. Donc il y a dans défi Noël, parce que je vais commencer pour Noël l'année prochaine. Mieux m'organiser, voilà. Oh, et ouvre-toi. Dis donc. Hop. Voilà, défi Noël. Donc ça, j'ai fait le tracker moi-même. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui envoyer. Je lui ai envoyé, hein, voilà. C'était il y a quelque temps, mais si vous le voulez, n'hésitez pas, hein, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. On va commencer par 10 euros, c'est déjà ça. Si vous entendez un bip là, c'est parce que je suis en train de faire un montage en même temps. Enfin, en même temps, il était en train de télécharger quoi. Voilà. Je vous raconte ma vie aujourd'hui, je trouve, non? C'est pas grave, vous avez l'habitude. Ensuite, donc il reste 20 euros, donc ça va aller dans anniversaire, donc pour mon petit Thibaut. Il est où anniversaire? Il est là. J'avais pas mis le tracker à jour, j'avais oublié d'effacer, c'est pas grave. Voilà. Parce que lui, c'est le 23 janvier. Et je sais pas du tout ce que je vais acheter. Je pense que peut-être une carte Nintendo Switch. Parce que ce soit ma petite sœur ou mon neveu, ils ont le même âge, environ hein, quelques mois après. Et ils adorent jouer à la Nintendo. Voilà, donc du coup, bah, c'est ce qu'on leur achète généralement. Voilà, tout simplement. Mais donc du coup, ouais, je pense que je vais acheter ça. Et puis s'il reste de l'argent, c'est pas grave, ça servira pour les autres anniversaires, tout simplement. Voilà. Et donc, moi, je finis cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos objectifs d'épargne, tout ça. Il y a une personne qui m'a répondu dans les commentaires l'autre coup qu'elle souhaitait mettre 3 000 euros de côté pour le fonds d'urgence. Donc, écoute, j'espère que tu vas y arriver. De toute façon, normalement, tu te reconnaîtras. Hein. Voilà. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!